اشتراككم في القناة مدعاة لمزيد من الإبداع والعطاء. السلام عليكم ورحمة الله إخوان الطلبة والتلاميذ والمتدربين، مرحبا بكم في درس جديد من دروس المحاسبة العامة. درسنا اليوم هو الجزء الثاني من الدرس المتعلق بحساب المداخل والمصاريف الكونت دو برودوي اي شارج. بالنسبة للي شارج، الشارج سون دي سون فيرسي او انفيرسي بار لونتربريز اون كونتربارتي دي بيان اي سيرفيس كيل اوبتيان دو سي فورنيسور او اوتر. Dans notre test, les flux, à chaque flux réel correspond à un flux monétaire. Tadfouqat al-ainiya muqabil tadfouqat al-naqdiya. Par exemple, achat de marchandises, contrepartie d'yala, maintenant, un chèque bancaire ou bien l'espèce. Fonctionnement du compte de charge. Donc, le compte d'yala charge, qu'est-ce que c'est le débit ou qu'est-ce que c'est le crédit. Donc, c'est un compte. À l'approvisionnement, à l'appauvrissement de l'entreprise, l'excédent des produits, qui mène à l'enrichissement de l'entreprise. Donc, chaque compte, en général, les comptes de charge sont débités par le crédit d'un compte de l'actif ou de passif. Et nous faisons un compte de charge, mais c'est de débit, un compte d'actifs ou de passifs. Par exemple, l'achat de marchandises que tu fais débit ou le mot de la fournisseur, c'est un compte du passif que tu fais crédit. Application. L'entreprise Martin a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de mars. Achat de marchandises à crédit, 25 000 dirhams, facture numéro 234. Donc, on a l'achat de marchandises, on connaît le compte de l'achat de marchandises, en contrepartie, le fournisseur, on a l'achat de crédit. Paiement des frais d'électricité, 1500 dirhams en espèces. On a les frais d'électricité, on a débit comme charge, en contrepartie, la caisse. Achat de marchandises ou comptant par chèque bancaire, 30 000 dirhams. Donc là, achat de marchandises ou débit, en contrepartie, la banque, sinon par chèque bancaire. Quatrièmement, la banque nous prélève des intérêts de 2 000 dirhams et de commission de 400 dirhams. Avis de débit numéro 865. Donc là, prélèvement des intérêts, les intérêts économiques de débit, ce sont des charges financières. Commission économie de débit, ce sont des charges, exploitation, 400 dirhams. Le total, économie de crédit, yani la banque, je nomme le compte bancaire. Paiement en espèces d'une pénalité pour affection du coût de la route, 400 dirhams, donc pièce de caisse. Donc, nous avons une pénalité à moindre économie de débit comme charge. En contrepartie, donc 400 dirhams, je nomme la caisse, yani la caisse sur le crédit. Achat de fournitures stockées pour 1500 dirhams par chèque bancaire. Donc, achat de fournitures fait débit, en contrepartie fait crédit, la banque. Paiement par chèque bancaire des honoraires d'un avocat, 6000 dirhams. Donc, les honoraires fait débit, fait crédit, la banque, par chèque. Paiement de la vignette d'une voiture en espèces, 6000 dirhams. Donc, une vignette comme impôt à tout fait débit. Ou le crédit, la caisse. Paiement par chèque bancaire, le salaire d'un agent de sécurité de 1500 dirhams par chèque. Donc, un salaire, yani, le pointement, et qu'on fait débit, ou le crédit, et qu'on la banque. 10 achats en espèces de timbre postaux, 1500 dirhams. Et paiement des frais de téléphone par virement bancaire, 3000 dirhams.
on connaît une espèce de timbre postaux, FDB, ce sont des charges. Frais de téléphone, FDB, ce sont des charges. Frais de crédit, donc les spécialistes, la caisse ou la banque. Le travail à faire, enregistrer les opérations dans les comptes correspondants, sachant qu'au début du mois de mars, les comptes caisse et banque présentent les soldes suivants. Banque, 75 000 soldes débiteurs. La caisse, 12 000 dirhams, soldes débiteurs. Établir les soldes des comptes des charges. Enregistrer les opérations au journal. Machine, les opérations. Opération 1. Achat de marchandises, mukabil, à crédit, c'est-à-dire l'opération. 6111 achats de marchandises, 4411 fournisseurs, pour un montant de 25 000 dirhams. La deuxième opération, achat de fournitures non stockables en espèces, donc la charge 61 251 FTB, pour la caisse 5161 fait le crédit, pour un montant de 1500. Opération 3, achat de marchandises. Donc, fait débit comme charge et on crédite la banque. Nakhalsnamb, chèque bancaire. Quatrième opération, les intérêts des emprunts et dettes. On a des intérêts. Ou les services bancaires. Donc, les services et les commissions, 6147. Montant de 400 dirhams. Le tout, il y en a 2000 plus 400. Nakhalsnamb, la banque. Qu'on a crédité la banque. Donc, imaginez le principal à réviser là les comptes. On débite un compte de charge et on crédite un compte d'actifs. Pénalité et amende fiscale. On est spécialisé. Pénalité début comme charge et la caisse le crédit. C'est un moyen de paiement. Achat de matières fournitures consommables par chèque bancaire. Donc, les charges d'IMFTB ou la banque fait le crédit. 15 000 dirhams, 15 000 dirhams. Opération 7. Rémunération des intérêts et honoraires, 6 000 dirhams FTB. Et la banque fait le crédit. Elle n'a reçu pas chèque bancaire. La taxe sur les véhicules, c'est 116,73 donc FTB comme charge. Et on crédite le moyen de règlement, il y a la caisse. 5161. L'opération 9, appointement et salaire FDB, 61 711, par le biais de la banque, yani par banque, 5141 pour un montant de 2500 dirhams. Les frais postaux. Donc, les frais postaux. Donc, les frais postaux, en espèces, on a débité les charges. 61 451 frais postaux. On a crédité la caisse, 5161. C'est pas de la même opération. Les frais de téléphone par virement. Donc on débite la charge frais de téléphone 61 455 et on crédite la banque, le montant de 3 000 dirhams. Un deuxième débat du compte schématique en T. Donc une semaine du compte de l'actif. La caisse le solde dit le mois précédent fait 12 000 dirhams, c'est un solde débiteur, donc qu'un dit le débit. La banque a fait un solde débiteur, 75 000 dirhams, qu'un dit le débit. Une période les sorties, 1 500 dirhams, 400 dirhams, 6 000 dirhams, 500 dirhams, c'est pas la caisse. Donc la différence totale crédit moins total débit. T'as 3 600. Donc, c'est un solde débiteur. Donc, débit, mais le crédit, c'est un solde débiteur. C'est pas de la banque. On a un solde débiteur de 75 000. On a 30 000, sorti 30 000, 2 400, 15 000 dirhams, 6 000 dirhams, 2 500, 3 000 dirhams. Donc, total, donc débit moins total crédit. Est un solde débiteur de 16 100 dirhams. Non, débit, le crédit. Donc là, c'est total débit et total crédit en l'égalité. 75 000, 75 000. Le compte du passif, le compte fournisseur, fait 25 000 dirhams. Donc c'est un solde créditeur. C'est le compte de charge.
Non, achat de marchandises, fait débit 25 000 dirhams, 30 000 dirhams, ce qui fait un solde débiteur de 55 000 dirhams. Achat de matériel fournitures consommables, ça fait 15 000 dirhams, c'est un solde débiteur de 15 000 dirhams. Achat de fournitures non stockables, du compte 61 et 251, fait 1 500 débit, donc c'est un solde débiteur de 1 500 dirhams. Intérêt des emprunts et dettes, donc ce sont des charges financières, faire 2 000 dirhams, donc c'est un solde débiteur de 2 000. Service bancaire, on a fait à 400 dirhams débit, donc c'est un solde débiteur de 400. Rémunération des intérêts et honoraires, on a fait à 6 000 dirhams débit, donc c'est un solde débiteur de 6 000 dirhams. La taxe sur les véhicules, on a fait à 6 000 dirhams, c'est une charge débit, donc c'est un solde débiteur de 6 000 dirhams. Appointement et salaire, on a fait un débit de 1 500 dirhams, c'est un solde débiteur. Les frais postaux, fait à 500 dirhams, c'est un solde débiteur de 500. Pénalité et amende, à 400 dirhams, donc c'est un solde débiteur de 400. Frais de téléphone, fait à 3 000 dirhams, donc c'est un solde débiteur de 3 000. Deux autres, les produits. Donc, les produits sont des sommes reçues ou à recevoir par l'entreprise en contrepartie des biens et services qu'elle fournit à ses clients. Les flux, toujours un flux réel, en contrepartie d'un flux monétaire. Donc, les produits, le compte dit le produit, Kenkos fait le débit, KZ fait le crédit. Le produit il mène à l'enrichissement de l'entreprise. Un compte de produit est en principe crédité par le débit d'un compte d'actif ou de passif. Donc, quand je vois l'application, l'entreprise Bâtisse, c'est une société en nom collectif, a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de mars. Vente de marchandises à crédit, 75 000 dirhams, facture numéro 748. Donc, une vente de marchandises, c'est un compte de produits. Donc, vente de marchandises, c'est un compte de produits. Un compte de crédit. Compte client, NBNA, crédit. Encaissement par chèque bancaire du loyer d'un immeuble non affecté à l'exploitation, 9 000 dirhams. Donc, c'est un revenu, un autre revenu. Une machine d'argent pour l'exploitation. Mouqabil Diallo, Trasna par chèque bancaire, un de la banque fait débit. C'est un revenu, c'est un produit, et qu'on fait le crédit. Mouqabil Diallo, la banque fait débit. Troisièmement, la banque nous avise qu'elle porte au crédit de notre compte des intérêts 1 200. 1 200, avis du crédit. Donc, un avis qu'un avis du crédit, il y a un ex, c'est-à-dire avis du débit. Avis du crédit, il y a une pièce comptable qui est à la banque. Jusqu'à année, il y a un avis du crédit qui est la banque, il a crédité notre compte. Il y a c'est la comptabilité, on va débiter ce montant. 1 200 dirhams. Il y a de 1 200, il correspond à des intérêts. Les obligations maintenant des autres sociétés. Donc, ce sont des intérêts en faveur de l'entreprise avec qui on fait le crédit, on fait débit et année la banque, le compte bancaire. Quatrièmement, l'opération 4, encaissement en espèces d'une commission de 5 000 pour service rendu à l'entreprise voisine, pièce de caisse numéro 2563. Donc, on achète un montant d'IEL, 5 000 dirhams. En espèce, il y a la caisse de compte débit. Donc, là, c'est un service, il y a un compte crédit. Montant d'IEL 5 000 dirhams. Donc, 5 000 dirhams, il y a une commission et courtage de compte qu'on produit le crédit pour la caisse débit. Opération 5, vente de marchandises par chèque bancaire, 25 000 dirhams. Donc, vente de marchandises, c'est un compte de produit, récolte le crédit pour la banque le débit. Le montant d'IEL 25 000 dirhams. Opération 6, l'entreprise obtient une subvention d'équilibre par chèque bancaire de 4 000 dirhams, chèque numéro. Donc, l'entreprise a acheté la subvention d'équilibre sur le crédit.
في المقيم ديالها لا بانك تكون في الديبي، يعني الكونت ديالنا غيتزاد ب 4000 درهم كونت بانكار. اوبيراسيون 7، لونتربريز اوبتين دو سون فورنيسور ان اسكونت دو ريغلومون دو 600 درهم. دونك انا الفورنيسور عطا لونتربريز تخفيضات اضافيه، يعني اسكونت يعني الخصم. دونك انا غنديرو فورنيسور في الكريدي، دونك غنديرو الكونت فورنيسور في الديبي، يعني لا ديت فورنيسور راه نقصات عطاتنا اون ريديكسيون سوبليمونتير. نديرو ليسكونت في الكريدي، سيت ان برودوي فينونسي. دونك غندوزو لو جورنال. لوبيراسيون اون، عندنا الكليون في الديبي حيت بعنا كريدي فونت مارشانديز، سيت ان برودوي في الكريدي. اوبيراسيون دو، روفون دي زيموبيليزاسيون des immeubles non affectés à l'exploitation. C'est un produit du crédit ou du débit de la banque. Et on a reçu le montant par chèque bancaire. Opération 3, chez la banque du débit ou les intérêts des produits assimilés. Il y a des intérêts, ce sont des intérêts des obligations. Donc, on a le compte bancaire. L'opération 4, commission. Donc, on a rendu service à une autre entreprise. Le produit, ce sont des commissions et courtages reçus débit caisse, montant d'IEL 5000 dirhams. L'opération 5, des marchandises en contrepartie d'IEL chèque bancaire, donc 25000 dirhams, 25000 dirhams. L'opération 6, je dis la subvention d'équilibre de l'État, 4000 dirhams, donc le compte bancaire. Donc le compte bancaire est là, elle est alimenter. La dernière opération, on a la réduction supplémentaire de le fournisseur, je veux dire un avoir. Donc, il a dit fournisseur, il a diminué. Contrepartie, c'est un produit financier. Deuxième, les comptes schématiques, donc, on a fait le maintenant, les reports ou bien des soldes antérieurs. Un seul client, 75 000 dirhams, donc, c'est un solde débiteur. La caisse, 5000 dirhams, c'est un solde débiteur de 5000. La banque, dans plusieurs opérations, 9000 débits, 1200, 25000, 4000. Donc le total, c'est un solde débiteur de 39200 dirhams. Le compte du passif. Le compte fournisseur. Donc une caisse, débit, 600 dirhams. C'est un solde débiteur. Du compte de produits. Vente de marchandises, qu'elle a 75000 dirhams ou 25000 dirhams, c'est un total de 100000 dirhams, c'est un solde créditeur. Les 10 mars, qu'on a une égalité, crédit, égal à débit. On a 100000 et 100000. Commission et courtage reçu, elle a 5000 dirhams, c'est un produit, donc c'est un solde créditeur de 5000. Subvention d'équilibre reçu, 4000 dirhams de crédit, donc c'est un solde créditeur. Revenus des immeubles non affectés à l'exploitation, il y a 9000, c'est un solde créditeur de 9000. Intérêt produit assimilé, 1000, donc c'est un produit financier, 1200 dirhams de crédit, donc c'est un solde créditeur. Escompte obtenu, 600 dirhams de crédit, donc en général c'est un produit financier de 600 dirhams, c'est un solde créditeur. Donc, nous avons le tarif de la CPC. Le CPC décrit les produits et les charges ainsi que les composantes du résultat net final de l'exercice. En principe, c'est un état de synthèse qui permet de récapituler les comptes de charges et de produits pour déterminer le résultat net de l'exercice. Je n'ai fait la première partie d'IAL, le CPC. Elle a le résultat, le calcul, le bilan. On voit le résultat, le CPC. Je ne vois pas. Le bilan qui a un résultat global, le CPC qui a un détail de le résultat. Et quand je vois le résultat, c'est un résultat lié à l'exploitation, ou là, je n'amène des opérations financières, ou là, des opérations non courantes. Donc, le résultat est égal, total produit moins total des charges. Si les produits sont supérieurs aux charges, donc c'est un bénéfice. Si le contraire, il y a des produits inférieurs aux charges, c'est-à-dire c'est une perte.
Le plan comptable marocain est établi, le CPC du plan comptable marocain est établi en verticale, en cascade, et permet de calculer six niveaux de résultats. La première partie. Donc, le CPC a trois classes. Faire juger les classes de gestion 6 et 7, ou la classe de résultats 8. Donc, classe des produits. De faire les produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants. Classe 6, faire les charges d'exploitation, 61, 63 charges financières, 65 charges non courantes, 67 impôts sur le résultat. Donc, même si vous achetez l'impôt, vous voyez que le résultat net. La classe 8, il y a la classe les résultats. En 81, c'est un résultat d'exploitation, produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Résultat financier, 83, donc est égal produit financier moins charge financière. Résultat courant, 84, c'est le résultat, est égal résultat d'exploitation plus le résultat financier. Résultat non courant, en 85, est égal produit non courant moins une charge non courante. Résultat avant impôt. En 86, il est égal au résultat courant plus résultat non courant. Résultat après impôt ou bien résultat net, 88, est égal au résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. Comme ça s'appelle le CPC, qu'un système, généralement, soit les rubriques, soit les postes. Les postes, moins qu'un système, le BZEF. On va voir une application. Donc, là, les comptes schématiques, les grands livres. Donc, les soldes, les charges, les produits. Donc, les soldes des prêts maintenant. Donc, total des produits, 119 800. Donc, travail à faire, établir le CPC de l'entreprise. Donc, sur le résultat est égal à 7 500 dirhams. Donc, là, l'application. Le compte de produits et charges. Donc, c'est un modèle normalisé. Donc, colonne 4 qu'on fait les éléments, les produits et les charges. Cette colonne concerne les opérations propres à l'exercice. La dernière colonne correspond aux opérations de l'exercice précédent. Donc, imaginez le résultat est calculé en cascade comme le résultat d'exploitation. Le résultat financier, le résultat courant, le résultat non courant et le résultat net. Donc, il y a quand même les données de l'application. On a les produits d'exploitation. Vente de marchandises, 100 000 dirhams. Vente de biens et services, produits, 5 000 dirhams. Autres produits d'exploitation, 9 000 dirhams. Donc, total 1, les produits d'exploitation est égal à 114 000 dirhams. Les charges d'exploitation. Achat revendu de marchandises, d'affaires 55 000 dirhams. Achat consommé de matières fourniture, 16 500 dirhams. Autres charges externes, 9 900 dirhams. Impôts et taxes, 6 000 dirhams. Charges de personnel, 2 500 dirhams. Donc, le total des charges d'exploitation, 89 900. A dit le résultat d'exploitation qui est égal à 1 moins 2 est égal à 114 000 moins 89 900. Il nous donne un résultat de 24 100 dirhams. Comme je d'abord un résultat financier, donc d'abord les produits financiers, et intérêt autres produits financiers, fait à 1 800 dirhams. Donc, les charges financières, et charge d'intérêt vers 2 000 dirhams. Total des produits 1 800, total des charges 2 000. Donc là, il y a une perte au niveau du résultat financier, il y a moins de 100 dirhams. Le résultat courant est égal au résultat d'exploitation, il y a 24 100 plus moins 200, il y a 23 900 dirhams. Moins de le résultat non courant.
Donc, elle lui devait les produits non courants. Produits non courants, elle donnait la subvention d'équilibre, 4 000 dirhams. Les charges non courantes, elle donnait autre charge non courante, fait 400 dirhams. Donc, la différence, ou bien le résultat non courant, qui a 4 000 moins 400 est égal à 3 600. Donc, c'est un résultat non courant. Résultat avant impôt. Il est égal au résultat courant plus le résultat non courant. Il y a 23 900 plus 3 600. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? 27 500 dirhams. L'impôt sur le résultat est de 7 500 dirhams. Donc le résultat net est égal au résultat avant impôt. Il y a 27 500 moins 7 500. Qu'est-ce qu'il y a 20 000 dirhams. Le résultat. Le total des produits, 119 800, moins total des charges, 99 800, qui atteint 20 000 dirhams. Voilà le résultat des 20 000 dirhams. Voilà le résultat de l'entreprise.